Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme tous les mois pour la lecture du magazine Tilt d'il y a 40 ans. Comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est le magazine d'avril 84, 16,50 francs, sortez la monnaie pour aller l'acheter en librairie. Hein. Du lourd aujourd'hui avec donc les robots attaquent, hein, il y a déjà 40 ans, les robots attaquaient, l'IA était déjà là, exclusif Horik Kong fait un malheur, et les stars du mois c'était quoi? C'était Atmos. Avec donc le nouvel ordinateur d'Horik, hein, l'Horik Atmos, qui faisait donc la suite de l'Horik 1, et le BBC Electron, hein, enfin le BBC en tout cas de Acorn, hein, l'ordinateur de la firme anglaise, et puis donc actuelle profession héros. Allez, on va regarder tout ça en détail, juste après le générique. Allez, c'est parti pour la lecture de ce tilt numéro 11 d'avril 84. Regardez à gauche, qu'est-ce qu'on a? On a le 4e championnat de France Atari des jeux vidéo, avec la liste des centres officiels de sélection. Ce que je vous propose, hein, vous choisissez le centre le plus proche de chez vous et vous postulez pour devenir le meilleur joueur Atari 2600 de France. Voilà, c'était vraiment très très sympa ces petits concours. Le sommaire, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Computer Space, il me semble, la bande d'arcade, un des premiers jeux vidéo de l'histoire, le robot, je ne connais pas, et on voit aussi le nouvel ordinateur d'Horik, hein, l'Horik Atmos. Allez, c'est parti pour ce titre numéro 11. Temps X, on a déjà vu la pub, hein, c'était un magasin effectivement qui vendait des accessoires et des ordinateurs, 8 bits notamment. En parlant de Temps X, qu'est-ce qu'on voit en bas? On voit ici les frères Bogdanov, Igor et Grishka, avec l'émission Temps X. J'avoue, je regardais l'émission Temps X, qui était une excellente émission. J'adorais. Allez, on continue. Louez-les. Oui, à l'époque, effectivement, il y a déjà de la location. Là, c'est une location de cartouches pour les consoles Mattel, Intellivision, Atari 2600 et la ColecoVision. Alors, c'était quoi les prix? Un jour, 30 francs. Un week-end, 50 francs. Une semaine, 100 francs. Ça paraît pas exagéré. Je me rends pas compte avec l'inflation pour voir ce que ça donne aujourd'hui. En tout cas, c'était une très bonne initiative, hein, de pouvoir louer effectivement. On finissait le jeu, puis voilà, après on passait à autre chose. Parce que le prix des cartouches était quand même, il faut le préciser, très élevé. Pitfall 2. Le retour triomphal de Harry Pitfall pour Atari VCS 2600, bientôt disponible pour ColecoVision et les différents ordinateurs. Hein. C'était la suite du fameux jeu de David Crane. D'ailleurs, on voit ici, hein, David Crane's Pitfall 2, Lost Caverns. Qu'est-ce qu'on voit à gauche? C'était sur les. Journal ici sur les livres, voilà, listing, les bouquins pour Horik ou pour Commodore 64. Allez, on continue. En direct de Londres, c'était un salon qui a dû avoir lieu à Londres. Fred de Quicksilver, Dimension Destructeur d'Arctique et 1994 de Vision pour Spectrum. Je ne connais aucun des trois, dites-moi si vous en connaissez. Par contre, voilà, l'arrivée d'Adam, alors, je ne sais pas si on dit Adam ou Adam, se rapproche de jour en jour, l'ordinateur qui permettait donc de jouer au jeu ColecoVision, qui était donc la partie ordinateur, partie bécane. On pouvait programmer, regardez-moi ce clavier, donc il approche. Voilà, l'arrivée de l'Adam se rapproche de jour en jour, et vous pourrez découvrir tout dans nos colonnes, toutes les facettes de son ordinateur, qui dans le domaine ludique en particulier est étonnant. Qu'est-ce qu'on voit ici? Megamania pour Atari, River Raid pour ColecoVision, très bon, et le Pitfall pour ColecoVision. Allez, on continue. No Man's Land, le boutique qu'on a déjà vu. Petit journal ici, c'était donc les salons, les différents salons, les différentes rencontres du mois d'avril 84, hein, qui étaient donc dédiées aux jeux vidéo. Et le fameux dossier du mois ici, profession héros. Les héros de jeux vidéo n'ont pas la vie facile et les héros tout court non plus, car ils n'ont pas attendu l'invention du microprocesseur pour mener un rythme infernal. Guy Delcourt en sait quelque chose, il vient d'enquêter pour Tilt sur le plus vieux métier du monde. L'article est très sympa, je l'ai lu, je vous laisserai le lire tranquillement. Voilà, donc il parle des différents héros de jeux vidéo, différents types de jeux vidéo. C'est de différents types de héros, pardon, c'est vraiment très très sympa. Donc à lire, comme souvent le dossier de Tilt, qui était souvent très très intéressant. Micromania avec donc des jeux ici pour la ColecoVision, voilà. On continue, l'abonnement de Tilt possible à gauche et la suite du dossier. Et on arrive sur la rubrique Tube, la rubrique des meilleurs jeux du mois d'avril 84. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit à gauche? Je vais zoomer. Si vous suivez la chaîne, vous savez que ça reste un de mes jeux préférés. Jetpack. Jetpack d'Ultimate Play de Game, un bon jeu d'action, non? Non? Non?
un très bon jeu d'action, un excellent jeu d'action. Ultimate pour Spectrum, 16 kilos. C'était quand même un jeu qui tenait sur, voilà, pour les ordinateurs Spectrum, 16 kilos, hein, pour les premiers. Pas uniquement pour le Spectrum, 48 kilos. Pour info, j'avais fait un live il y a un petit bout de temps déjà, dans lequel je jouais à plusieurs jeux Ultimate Play de Game, dont Jetpack. Je vous mettrai le lien ci-dessus si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. En tout cas, voilà, pour moi, ça n'a pas vieilli. Je prends toujours autant de plaisir à y jouer. Je crois d'ailleurs que je l'ai mis dans mon top des meilleurs jeux des années 80. Et à droite, qu'est-ce qu'on voit à droite? Un autre jeu Ultimate Play de Game, une autre bombe, Attic Attack. Un très bon jeu d'aventure au graphisme étonnant, ne nécessitant cette fois aucune connaissance de l'anglais. Voilà, cette fois-ci, c'est uniquement pour le Spectrum 48 kg. Intérêt 5, graphisme 6, pour 95 francs. 95 francs, c'est donné. Hein. Voilà, vous pouvez acheter ce jeu les yeux fermés. Blockhead, Bunzi, c'est pas normal, je ne connais pas. Ant Attack, Ant Attack. Est-ce que vous connaissez Ant Attack? C'était un des premiers jeux, si je ne me trompe pas, en 3D isométrique. Voilà. Sorti toujours pour le Spectrum. Voilà. Ce jeu facile au début devient très vite particulièrement ardu. La représentation en 3 dimensions très réaliste associée à la possibilité de changer d'angle de vue ajoute encore à l'intérêt du sauvetage. Voilà ici les graphismes en 3D isométrique. Un excellent jeu, encore un jeu très très novateur, hein, comme il y en avait beaucoup à l'époque. Allez, Mr. Wimpy. Un jeu novateur, c'était le mois des jeux novateurs. Death Chess, est-ce que vous connaissez Death Chess? C'était en gros, si vous connaissez le retour du Jedi, bah c'était la portion où on pouvait donc poursuivre les Stormtroopers en motorbike sur Endor. Bah, ils ont refait ça sur ZX Spectrum. Voilà, on s'y croit, hein, on s'y croit à l'époque. Franchement, non, c'était très 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 bien. Si je retrouve des images, je vais vous les mettre. Mais franchement, c'était très très bien. Et ce qui était d'autant plus impressionnant, voilà, c'est que c'était uniquement pour les ordinateurs Spectrum, 16 kilos. Quand même, voilà. Intérêt 5, graphisme 5. Ce jeu au graphisme 3 dimensions, simple mais très réaliste, ne souffre que d'un défaut, son thème très franchement sanglant. Voilà, franchement encore un excellent jeu, une nouvelle fois très novateur. Alchimiste, excellent jeu aussi, très bon jeu d'aventure graphique. 5, ouais, c'est le mois Spectrum, là, il n'y a que des hits pour ZX Spectrum. Allez, on continue, Siren City, je ne connais pas. Metermania High Resolution pour ZX81. D'accord, pour faire sûrement des graphismes 3D. Je pense qu'il fallait effectivement l'extension 16 kg. Sinon c'est un peu compliqué. El Bandito Scramble, ben, Scramble ici on connaît. Hein. On connaît cette adaptation ici pour le Dragon 32. Excellent jeu d'action. Un jeu pour le UNOSC 3000, ici un jeu de tennis. Voilà, a priori pas très très bien noté quand même. Zorgon's Revenge, après Xenon, l'aventure se poursuit. Alors, c'est pas le Xenon des Bitmap Brothers, c'était le Xenon sorti sur Auric, et donc c'est la suite. On va voir là. Zorgon est la superbe suite de Xenon 2, donc c'est Xenon 3. Voilà. Un jeu d'excellente qualité qui vous surprendra par sa difficulté. Un logiciel qu'il faut absolument posséder dans toute bonne ludothèque sur Auric 1. Voilà, des très très bons shoots a priori. Pharaon's Curse, donc maintenant des jeux pour Atari 8-bit, Omega Race, Cosmic Rescue, allez on continue. Space Trek, The Worms, Psyt, bah voilà, c'est un nouveau jeu, Ultimate Play de Game, fait partie des premières salves de jeux qu'ils ont lancé sur Spectrum, 16 kilos, voilà. Pareil, dans la vidéo que j'avais fait, hein, j'avais joué à Psyt, et c'était un jeu assez original. Une bonne réalisation au thème nouveau et amusant, parce qu'effectivement, il fallait, si je me rappelle, tuer les insectes pour que les plantes puissent pousser. Une fois que la plante avait assez poussé, on passe au niveau suivant. Donc, très très original aussi. Scissor Shoplifter, voilà pareil, shoot très connu ici, c'était sur adaptation pour Commodore VIC-20. Nova Blast pour ColecoVision, Donjons et Dragons pour Aquarius. Ah là, je connais pas du tout. En tout cas, c'est un jeu en 3D, c'est impressionnant. Un jeu en 3 dimensions où les murs du labyrinthe apparaissent de différentes couleurs. Sur le côté droit de l'écran sont données toutes les informations nécessaires à la poursuite de votre aventure. Les dragons à combattre sont de couleur rouge. L'utilisation des joysticks n'est absolument pas nécessaire pour cette cartouche ludique. 250 francs, mais en tout cas, ouais. Un jeu en 3D comme ça, début 84, assez impressionnant pour l'Aquarius qui n'a pas dû avoir beaucoup, beaucoup de jeux. Allez, on continue. Panda, Stargazer Secrets, Fathom, le graphisme est magnifique. Pour ColecoVision, d'accord, graphisme super, bah oui, carrément. Thème étonnant, Fathom comme Nova Blast classe d'emblée les jeux Imagic pour ColecoVision dans le peloton de tête des programmes ludiques. Une réussite, intérêt 6, graphisme 6. Je ne connais pas du tout, dites-moi si vous avez joué à ce jeu. En tout cas, voilà, bon, prix de la cartouche 420 francs. Voilà. En tout cas, c'est pour un jeu excellent, pourquoi pas.
À droite, la pub pour le Z1080. L'initiateur. L'initiateur, qu'est-ce qu'ils disent? Le Z1080 de Sinclair est appelé l'initiateur, qu'elle a déjà permis à 2 millions de passionnés dans le monde de s'initier à l'informatique. Ainsi, le Z1080 est le micro-ordinateur le plus répandu sur la planète. À votre tour, rejoignez l'esprit Sinclair. Pour 580 francs, c'est unique. Alors, le micro-ordinateur le plus répandu sur la planète, ça me paraît étonnant, peut-être. C'était peut-être l'Apple 2, mais je me trompe peut-être. Vu qu'il était pas cher, effectivement, c'est peut-être plus vendu que les autres. Tout à fait possible. Allez, on continue. Time Pilot, hein, toujours très connu aussi celui-là pour l'Ecovision. Le Pitfall 2. Voilà le test du Pitfall 2 qui est surclassé, enfin qui est encore meilleur que le premier. Pitfall 2 entame une nouvelle carrière sous deux brillants auspices, explorateur, avocat, que le nombre de trésors à découvrir semble infini pour atteindre 1600. Intérêt 6, graphisme 6, bruitage 6. Un jeu parfait. Un jeu parfait. 350 francs, bah ça c'est le prix des cartouches. Hein. À droite, hein, la pub pour le Yeno SC3000 qui est donc fabriqué par Sega et distribué par Yeno, je crois qu'ils en parlent un peu plus loin dans le magazine. Allez, on continue avec le banc d'essai de Tilt, avec ici donc l'électron à cornes. L'initiateur, lui aussi c'est initiateur, beaucoup d'initiateurs. Un nouveau venu dans la famille des ordinateurs diffusé sous le label de la célèbre chaîne de télévision britannique. Après le BBC d'accord, l'électron Acorn nous a réservé de bonnes surprises, à commencer par son prix. Nouvelle preuve du punch de nos amis anglais. Donc l'Acorn Electron, alors combien de mémoire? Voilà, 32 kilo-octets mémoire vive, 32 kilo-octets mémoire morte, 8 couleurs, voilà, 3000 francs. Voilà. Alors on va voir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Ils ont aimé le manuel clair, l'aspect initiation, les possibilités graphiques et sonores, le clavier très agréable. Ils ont regretté le rapport qualité-prix un peu élevé, ouais, ça paraît quand même effectivement un peu élevé. La compatibilité des logiciels du BBC incertaine, ça c'est embêtant par contre. Les paramètres parfois trop nombreux pour une instruction. Ça c'est embêtant effectivement que ça paraît trop compatible, ça paraît étonnant d'ailleurs. La bibliothèque de ce dernier est à ce jour suffisamment étoffée pour convenir au ludophile le plus exigeant, elle comprend des jeux de réflexion, d'action, de simulation et d'aventure graphique. Les logiciels du BBC ne fonctionnant pas sur l'électron seront sans aucun doute bientôt adaptés. Ouais, effectivement ça c'est un petit peu embêtant. Le BBC est une bibliothèque quand même assez incroyable. Déjà, il y a Elite qui est sorti dessus, rien que pour ça. Une très bonne bibliothèque. Voilà, l'électron n'a rien de révolutionnaire, mais l'aspect initiation a été exploité au maximum. Okay. Très bien, très bien. Et donc, il y avait deux ordinateurs de tester. L'électron et donc l'Auric Atmos. Auric est mort, vive Atmos! Voilà. Les petits ordinateurs britanniques n'arrêtent pas de nous surprendre. Après l'Auric 1 venu il y a un an sur le marché français, il annonce déjà la naissance de son petit frère, l'Atmos. Des faits ambitieux se sont penchés sur le berceau du nouveau-né. Tilt était au rendez-vous. Voilà, effectivement. Donc 18 mois de commercialisation, un succès justifié par son rapport qui a été pris excellent pour la 148 kilo-octets de RAM. Et pourtant, la production vient d'être stoppée. Voilà, donc en fait c'est une nouvelle version. Il lance une nouvelle version de l'Auric 1 qui s'appelle donc l'Auric Atmos. Prévision de vente pour 84 s'élève à 50 000 unités, c'est énorme. Donc là, ça ajoute 20 000 lecteurs de disquettes. D'accord, ouais, c'est impressionnant comme les chiffres. Des chiffres ambitieux qui, s'ils sont réalisés, feront de ce constructeur britannique un leader sur le marché français. Alors, je pense pas qu'il se soit réalisé quand même, j'ai un doute. On en parlera peut-être plus tard dans d'autres titres, dans quelques mois. On va voir un petit peu radioscopie, donc mémoire vive 16 ou 48, voilà les deux modèles. Mémoire morte 16 kg, okay. Prix 2480 francs, donc tout à fait raisonnable pour l'époque. Nous avons aimé le nouveau clavier, les extensions, le basique facilement utilisable. Nous avons regretté le rapport qualité-prix, peu de changements concernant la ROM, l'absence en port cartouche et le chargement des cassettes peu fiable. Ça, effectivement, ça peut être un problème. Voilà, donc en tout cas, c'était l'ordinateur qui prenait la suite de l'Auric. On continue avec ici un dossier, alors je crois que c'est le dossier sur un jeu. Ouais. Grâce à votre Spectrum 48 kilo-octets, voici promu PDG de la société Infogesti, spécialisée dans la fabrication et la distribution de micro-ordinateurs et logiciels. Donc ça c'est sympa parce qu'effectivement on joue, donc on va gérer une société qui fabrique et distribue des micro-ordinateurs et des logiciels. C'est assez original, donc ça se passe sur Spectrum. Cette entreprise commercialise 5 produits, un micro-ordinateur 16 kilo-octets de milieu de gamme, le Micro X100, le nom est magnifique, une unité de disquette, une imprimante, un logiciel de comptabilité et un logiciel de gestion de stock, d'accord. Et donc il faut, j'imagine, donc gérer. Bon, forcément, c'est austère, hein, on n'imagine pas beaucoup de graphisme, mais le principe, je le trouve super intéressant pour l'époque. Voilà, donc un œil sur les ventes, l'autre sur les finances, solvabilité, mouvement de capitaux, les impôts, toujours les impôts,
cherchez à améliorer vos scores, à faire progresser votre entreprise sans perturber le climat social. Très très original. Ce logiciel particulièrement bien fait peut tout aussi bien se concevoir comme un jeu ou comme une base d'éducation pour la gestion d'une entreprise. Voilà, en fait, c'est pour se former à créer son entreprise. Voilà, donc 140 francs. Manager. C'était donc Air Informatique, d'accord, qui faisait ça. Très bien. Très bien, très bien. On arrive ici sur la rubrique avec les petits programmes, hein, Sésame, Rubik Sésame. Petit programme à taper ici sur la calculette. Hein, voilà. Sûrement un jeu ici. Et le fameux Oric Kong dont il parlait sur la couverture. Oric Kong. Vous possédez un Oric 1, alors réjouissez-vous. Oric Kong est un programme conçu tout spécialement pour vous, partite. Votre fiancé a été enlevé par le Gorille Kong. Ça fait penser à un jeu, ça. Traquer l'animal s'est réfugié au sommet d'un building. À vous de la récupérer en évitant les projectiles lancés par Kong. Voilà. Donc ils ont adapté la borne d'arcade, sans le dire, avec quand même plusieurs niveaux on dirait. Voilà, et au moins il y a 4 niveaux. Franchement très sympa, je pense que c'est quand même un Oric, ça valait le coup de taper le programme. Il fait combien de pages? 3 pages, c'est jouable. C'est jouable. Dossier les robots attaquent, mutants d'une nouvelle génération, les robots surgissent aux quatre coins du monde. Amis, ennemis, nul ne peut lire dans leurs yeux insondables. Une seule réalité, ils seront très vite dans tous les foyers, dans tous les bureaux. Pour Tite, une grande enquête et la découverte des humanoïdes de demain. C'est sympa, un dossier donc il y a 40 ans sur les robots qui allaient envahir notre quotidien. Bah voilà, c'est fait, on va dire. C'est plus sous forme d'IA, de smartphone, etc. Mais bon, ça reste du numérique. Et c'est vraiment comme ce qu'ils voyaient à l'époque, effectivement. Le futur, voilà. Aux USA, les robots attendent leur maître. C'est un peu iRobot, là. Voilà. Bob et Topo bientôt dans les foyers français. Alors, je sais pas s'ils ont cartonné à l'époque, Bob et Topo. En tout cas, le look est assez rigolo. Voilà. Mettez un crayon dans les mains de Fred, il fait des miracles. Il dessine, quoi. Ok. Très sympa, ce petit dossier. Qu'est-ce qu'on voit ici? Bob XA parle plusieurs langues. Ok. Héros 1, il n'y a pas de mauvais robots, seulement des robots mal programmés. Donne-leur la température ambiante. Bah, c'était vraiment le début. Hein. C'était le début des robots. Ah bah oui, ici il y a des robots, voilà, des robots plus connus. Hein. Les robots de la gare des étoiles ont quitté l'univers de la fiction pure. RB5X, alors ça c'est très drôle ça. Effectivement on dirait R2D2. Donc c'est, ils en ont fait un style du R2D2 on va dire. Voilà. Caméra vidéo, DC2 s'adapte à toutes les situations. Donc il y a un ordinateur qui est sur le robot et puis après, ils ont ajouté des éléments dessus. Comment les programmer? Voilà, donc là c'est, voilà. Là c'est relié donc à un Apple 2 disposant d'un logiciel Toposoft dérivé du Fort. Ok, bah, très sympa ce petit dossier. Hein. Voilà. C'est tout sympa de voir comment est-ce qu'il peut se projeter dans l'avenir et de voir où on en est 40 ans plus tard. Voilà. Mais robot Choc Ultra, c'est quoi ce robot? Le style rétro de QT fait fureur dans les salons et les expositions. Ouais, donc c'est du rétro d'il y a 40 ans. Voilà. c'est assez sympa. Assez sympa. Robot de démonstration télécommandé. Ouais, c'était les robots avec des roulettes en dessous. Les robots aussi se louent. Pour ramasser des cailloux, un bras articulé mis au point par la NASA. Voilà, c'était vraiment des robots beaucoup plus pointus pour aller effectivement récupérer sur des planètes ou sur la Lune par exemple, hein, des rochers, des échantillons. Allez, on arrive sur le point mini avec donc les nouvelles mini Lifeboat, nouvelle Game & Watch du mois, on va dire. Mrs. Pac-Man en petite console ici, pinball, et donc les échecs, hein, toujours des échecs, enfin toujours, non, il y a eu assez longtemps les échecs, hein. Bon, je pense qu'il y en a encore pendant quelques numéros, avec dans des situations, je pense, pour essayer de résoudre certains problèmes. Le grand carnaval, on arrive donc sur les flippers et jeux d'arcade, avec ici Alien Poker, qu'est-ce que c'est que ça On dirait un peu un alien là, je sais pas ce que c'est. Ah, on arrive sur le jeu d'arcade de ce mois d'avril, le Star Wars, que la force soit avec vous. Oui, c'était vraiment extraordinaire ce jeu d'arcade, hein. Il y a eu de nombreuses adaptations à l'époque, hein, sur les différents ordinateurs. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer, qu'est-ce qui était bien fait, avec la musique du film, voilà, on s'y croyait à l'époque, franchement, voilà. C'était un excellent jeu d'Atari ici. On continue. Crystal Castle aussi. Très très bon Crystal Castle. Excellent. Crossbow. Je ne connais pas par contre Crossbow. A priori c'est ça.
un jeu de tir, d'accord, un jeu de tir classique, avec des très beaux graphismes pour l'époque. Bon, toujours le dossier, le jeu électronique. Arcal, le musée imaginaire. Voilà, prototype de Computer Space, voilà ça. Première création vidéo de Lonnalan Bushnell en 71, jugé trop avant-garde. Ce fut un fiasco commercial, un objet rare. C'est vrai que c'était très très rétro-futuriste, très simple. Donc là c'est quoi, un musée imaginaire en 84, hein. C'était le musée de 84. Avec des différentes dates importantes, donc 62. Steve Russell conçoit Spaceware, le premier jeu vidéo sur ordinateur. Computer Space donc, 71. 72, il lance Bong sur le marché. Bong c'est Pong j'imagine. Breakout 75, Space Invader 78, Asteroids 80, Pac-Man 80, Zaxxon 82, Dragon Slayer 83. Et ben, je crois que c'est fini après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après? Voilà, quelques classiques on va dire, des jeux d'arcade, Pac-Man, tout ça, Asteroids, Donkey Kong, Zaxxon. C'est effectivement des excellents jeux, une petite carte postale, des jeux d'arcade, depuis le début des jeux d'arcade, tout simplement. Voilà, Dragon Slayer, le Tron ici. Space Invaders, Galaga, Tempest, voilà. Que des excellents jeux d'arcade. On a quoi, Buck Rogers, toujours en 3D, un jeu disque laser, forcément c'est très beau, mais bon, voilà, c'était un film derrière hein, qui passait. Battlezone, Robotron, voilà, que du cultissime, on va dire. Le coin ici, des bolides avec les jeux de course, hein, il y a Monaco GP, Turbo Pole Position, Centipede, Millipede, et les Pac-Man, Donkey Kong, Moon Patrol. Ouais, déjà en 84, il y a quand même de très très bons jeux d'arcade de sortir. Voilà. On arrive donc sur les petites annonces. Petites annonces achats, petites annonces club d'hiver, échange, qu'est-ce qu'on a comme échange? Allez, on regarde au hasard. Échange Sinclair, plus jeux à cristaux liquides, plus bol d'or, plus goalkeeper contre une Atari VCS. Tiens, d'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas? Allez. Il y a beaucoup quand même. Beaucoup de petites annonces. Hein. Beaucoup de petites annonces. Des tournois aussi. Des ventes. Voilà, sur les ventes, voilà, il y a beaucoup de ventes aussi. C'est comme une grosse rubrique à l'époque dans le titre, hein, ces petites annonces. Succès Las Vegas, Sega triomphe chez vous. On a déjà vu la pub, je crois. Dans les mois précédents. On arrive donc sur le. Ici, hop, le courrier des lecteurs. Voilà. Le courrier des lecteurs. Qu'est-ce qu'on va dire au hasard celui-là? C'est la première fois que j'écris à votre journal et je félicite la rédaction car il est très bien conçu, je trouve formidable. Voilà. C'est un bon courrier à mettre dans le journal. Est-ce que les micro-ordinateurs pourront, à l'aide d'extensions, avoir des résolutions graphiques, des animations améliorées, semblables à celles de certains ordinateurs professionnels qui se relient à des vidéodisques et créent des images de dessins animés? Merci de votre réponse. Je souhaite une longue vie à ce journal. Les extensions futures des micro-ordinateurs conféreront à ces derniers des possibilités immenses, clairement. Clairement, on est aujourd'hui sur des possibilités immenses par rapport à l'époque. Ainsi, CBS travaille actuellement sur une interface qui permettra d'accoupler un lecteur vidéodisque à l'ordinateur Adam. Alors, vu le four que ça a été, je ne pense pas qu'ils aient sorti ce lecteur, enfin, c'était, en tout cas cette interface, pour coupler un lecteur de vidéodisque. En tout cas, c'était prévu. C'était prévu à l'époque. Hop. Le laser 200, qui n'a pas dû très bien fonctionner. C'est pas très cher, 1490 francs, avec un Z80, mais voilà. Et trop d'ordinateurs à l'époque, alors, j'avoue j'ai pas du tout connu celui-là. Dites-moi si certains parmi vous ont eu un laser 200. Je connais pas. Très étrange leur joystick. Très très étrange. Je sais pas si c'était facile à prendre en main. Mais en tout cas voilà, une bécane de plus hein, qui a pas tenu très longtemps. Ah c'était Betek qui faisait ça, d'accord. Ok. Et enfin donc on termine sur 4ème championnat de France, Atari des jeux vidéo. Il faisait beaucoup de pubs. Europe 1, Télé 7 jours, c'était quand même, voilà, c'était des médias en tout cas très grand public. Et voilà, c'est terminé pour la lecture de ce titre d'avril 1984. J'espère que ça vous a plu. Hein. Et j'attends avec impatience la sortie du prochain dans un mois, hein, le titre de mai 84, que je partagerai avec vous, bien entendu. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!